Un germano-turc de 36 ans, suspecté d'avoir préparé un attentat en mai dernier à Francfort en Allemagne, a finalement été condamné lundi à 30 mois de prison, dont une partie avec sursis. Un tribunal allemand a estimé que les preuves n'étaient pas suffisantes pour le condamner plus lourdement. L'accusé avait notamment acheté, sous un faux nom, un composant chimique pouvant servir à la confection de bombes artisanales.